Salut à toi, grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Max Verstappen espère que la paix va revenir chez Red Bull et Toto Wolff ne veut pas tomber dans le piège de faire comme Christian Horner à l'époque de la domination Mercedes. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 2 de ce 18 mars. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Australie qui se déroule ce week-end, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix d'Australie. Objectif, 25 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go! Pour la première actu l'équipe, maintenant que l'affaire Horner semble faire partie du passé, et encore, le triple champion du monde Max Verstappen espère que le climat chez Red Bull sera désormais plus sain et que l'équipe pourra se concentrer pleinement sur sa quête d'un 7e titre mondial en Formule 1. Depuis le début de la saison 2024, les affaires extra-sportives s'enchaînent à un rythme effréné chez Red Bull, avec tout d'abord le Horner Gate qui a vu le directeur de l'écurie faire l'objet d'une enquête interne pour un comportement présumé inapproprié à l'encontre d'une employée Red Bull. À la suite de cette enquête, Christian Horner a finalement été blanchi et a donc conservé son poste de directeur qu'il occupe depuis 2005. Mais dans la foulée de cette annonce, un mystérieux corbeau a envoyé un courrier anonyme à plusieurs médias, à la FIA et à la Formule 1 dans lequel des prétendues preuves de la culpabilité de Horner étaient présentées sous forme de capture d'écran de messages WhatsApp entre Christian Horner et la plaignante. Dans la foulée, le père de Max Verstappen, Jos Verstappen, a tenu dans la presse des propos hostiles envers Christian Horner. Le Néerlandais estimait que pour le bien de Red Bull, le Britannique devait quitter l'équipe avant qu'elle ne se déchire. Et le week-end dernier à Jeddah, où s'est disputé le Grand Prix d'Arabie Saoudite, Helmut Marko, conseiller motosport chez Red Bull et proche de Max Verstappen, a déclaré qu'il n'était pas certain de pouvoir conserver son poste et que sa présence lors de la prochaine manche en Australie n'était pas assurée. Avant de rétro-pédaler le lendemain, en assurant avoir eu une discussion avec le directeur général de Red Bull, Oliver Mitzlaff, qui a fait le déplacement en Arabie Saoudite pour tenter d'apaiser la situation. Dans ce contexte, et alors que tout le monde conserve sa place chez Red Bull malgré le tintamarre, Max Verstappen espère que le calme va désormais revenir au sein de l'équipe afin que tout le monde puisse se concentrer sur l'essentiel, remporter le championnat du monde 2024. J'ai toujours dit que le plus important a été que nous travaillions tous ensemble en équipe et que tout le monde maintienne la paix. C'est ce sur quoi nous sommes tous, je pense, d'accord au sein de l'équipe. J'espère donc qu'à partir de maintenant, ce sera pleinement le cas. Tout le monde essaie de se concentrer dans la même direction. Je pense que le point positif de tout cela est que cela n'a pas nuit à nos performances. C'est donc une équipe très forte aussi mentalement. Que ce soit du côté des pilotes, que des mécaniciens, des ingénieurs, tout le monde. Même quand il se passe des choses ou quoi que ce soit. Ils sont juste tous très concentrés sur leur travail comme ils devraient l'être. S'adressant au micro de Sky Sport un peu plus tard, Verstappen a ajouté. Je pense que tout le monde sait qu'il est important d'avoir la paix dans l'équipe et de se concentrer uniquement sur l'aspect pilotage et l'aspect performance. C'est donc ce que nous essayons de faire en tant qu'équipe. À Jeddah, l'ambiance chez Red Bull était moins tendue qu'une semaine plus tôt à Bahreïn, alors que Jos Verstappen, qui participait à un rallye en Belgique, n'était pas présent dans le paddock. En fin de week-end toutefois, certains médias spécialisés ont rapporté que Red Bull avait finalement décidé de se séparer de Christian Horner avant la prochaine manche du championnat programmé fin mars à Melbourne. Mais très rapidement, Red Bull a démenti cette rumeur en affirmant que le Britannique sera bien aux commandes de l'équipe au Grand Prix d'Australie. Affaire à suivre, épisode 75 en préparation, bientôt sorti dans toutes les salles de cinéma. Depuis début février, Red Bull est sous le devant de la scène en Formule 1, principalement pour des raisons extrasportives, l'affaire entourant Christian Horner et un prétendu comportement inapproprié envers une employée. Non retenue à la suite d'une enquête interne, c'est depuis muet à l'écartement au grand jour de la fracture qui parcourt le clan de l'écurie autrichienne. Dans ce méli-mélo d'investigations internes, de luttes de pouvoir et de déclarations quasiment toutes de nature à mettre toujours un peu plus d'huile sur le feu, la rumeur a vite évoqué des turbulences capables de fragiliser les fondations de l'édifice bâti ces 20 dernières années. Sans jamais prendre part au débat, se tenant à sa légendaire discrétion, le nom d'Adrian Newey a pourtant souvent été prononcé ou écrit, l'avenir du technicien britannique faisait de toute manière depuis toujours l'objet de rumeurs.
Outre l'idée de le voir être recruté à prix d'or par une autre écurie, Ferrari en tête, son absence prochaine en Australie a nourri des bruits de couloir selon lesquels il serait en passe de prendre encore plus de recul sur le projet F1 de Red Bull. Dans un mélange de craintes liées au plafond budgétaire et à la situation à la tête de l'équipe, la possibilité de le voir passer à plein temps sur le projet de l'hypercar RB17 a même été évoquée. Toutefois, l'idée selon laquelle Newey chercherait à s'éloigner totalement du projet F1 de Red Bull est loin du compte. Son rôle actuel, celui de directeur technique en chef, n'a jamais changé et il continue de travailler autour de la RB20 avec un retour sur les circuits prévus dès la quatrième manche de la saison à Suzuka. Il demeure a priori toujours aussi motivé par la discipline reine. Même s'il n'est plus impliqué dans la gestion quotidienne du département technique de Red Bull, rôle qui est assuré par le français Pierre Wacher en tant que directeur technique de l'équipe autrichienne, Newey consacre toujours du temps à cette partie de son activité, en collaboration étroite avec Wacher et le directeur de l'équipe technique du constructeur. Son rôle lui permet toutefois de travailler sur d'autres dossiers, dont celui de l'hypercar. La première question du jour les amis, et penses-tu que la paix va revenir chez Red Bull dans les prochaines semaines à venir? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Australie qui se déroule ce week-end, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix d'Australie. Objectif, 25 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Je compte sur toi. Une fois que cela est fait, on peut passer à la dernière actu de la vidéo qui concerne Toto Wolff. Pour la dernière actu l'équipe, Toto Wolff ne veut pas que la FIA n'intervienne pour stopper la domination de Red Bull. Le directeur de Mercedes salue le travail effectué par ses rivaux et rappelle que Christian Horner l'avait suggéré quand Mercedes dominait. L'Autrichien réfute le besoin de changement de règles pour stopper cette domination. Je ne veux pas tomber dans le piège de mon collègue directeur d'équipe d'à côté qui en 2014 ou 2015 a dit que nous devrions changer les règlements parce qu'une équipe dominait trop. Je pense qu'ils ont fait de loin le meilleur travail de toutes les équipes au cours des deux dernières années et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils disparaissent littéralement au loin comme ils le veulent en course et il n'y a personne qui s'en approche. Toto Wolff est toutefois impressionné par la domination des RB20 et de Max Verstappen. Le directeur de Mercedes termine. Ils ont eu Ferrari ce samedi, Leclerc un peu, et si Sainz avait été là, il aurait été deuxième sur la route. Mais il n'y a pas cette énorme différence de performance entre toutes les équipes. En fonction du circuit, ils sont dans une autre catégorie. La dernière question du jour les amis, et que penses-tu de la déclaration de Toto Wolff concernant Christian Horner en 2014 et 2015? Est-ce que ça te rappelle quelques souvenirs? Moi personnellement je prends ça pour un pic, j'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu du jour où on voit les gros problèmes sur la W15 de Mercedes. A tout de suite.